Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuru Mike qui aujourd'hui vous présente une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de la troisième partie du secret de Voyage of Despair, donc la traversée du désespoir en français. Donc si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Quand vous avez récupéré l'artefact, il va falloir récupérer des symboles qui correspondent à des planètes. Vous allez devoir récupérer 9 symboles qui correspondent à 9 planètes. Les 9 planètes, je vous les affiche, c'est tout simplement le système solaire. Donc il y a le Soleil, il y a Mercure, il y a Vénus, il y a Terre, il y a Mars, il y a Jupiter, il y a Saturne, Uranus et Neptune. Je vous affiche aussi l'ordre que vous devez les prendre, plus les emplacements, je les mets à côté. Par contre, je vais vous montrer bien sûr les emplacements et l'ordre dans lequel vous devez les prendre. Je vais vous le montrer directement avec le chemin que moi j'utilise. Est très utile et fort sympathique, j'espère qu'il vous plaira. Franchement, moi c'est ce que je fais et je vais super vite pour récupérer les 9 planètes. Alors le premier emplacement, c'est le Soleil. Le Soleil, il se trouve juste ici. Le deuxième emplacement, c'est Mercure. Mercure, il se trouve juste en bas. Donc en haut à gauche, regardez la salle du courrier. Il est marqué tous les emplacements. Vous pouvez vous repérer aussi par ça. Je vous laisse tout le gameplay, comme ça vous voyez par où je passe et quel raccourci je prends. Donc voici Mercure. Ensuite, vous remontez et vous allez chercher Vénus. Vénus, elle est dans la suite des millionnaires. Donc tout au bout des cabines, vous traversez les cabines et vous allez arriver dans la suite des millionnaires. Donc elle se trouve dans la chambre. Donc juste ici, voilà. À gauche, voilà, juste ici. Donc en dessous de la table, vous devez appuyer sur carré pour récupérer l'objet, enfin le symbole. Donc s'il est inaccessible, vous devez vous coucher, ok. Donc là vous récupérez Vénus. Ensuite vous allez récupérer la lune qui est juste un étage au-dessus, sur devant la fenêtre, sur le mur blanc à côté d'un fauteuil. Voilà, vous appuyez sur carré, vous la récupérez. Ensuite vous redescendez pour prendre le raccourci pour pas traverser tout le pont, parce qu'on doit aller chercher Mars qui est de l'autre côté du bateau. Donc prenez ce petit raccourci, c'est bien sympatoche, vous allez y arriver en 2 secondes. Donc ensuite vous arrivez ici, là il y a Odin, vous allez devoir passer à gauche ou à droite de Odin, mais vous allez devoir monter les escaliers pour vous retrouver derrière, près de la salle des machines. Ensuite en haut de la chaufferie, à la moitié du chemin, il y a Mars, voilà, ça c'est Mars. Ensuite vous prenez le petit raccourci pour retourner chercher Saturne. Saturne qui est près de la cabine du pilote, donc tout au bout du bateau. Donc par ici, regardez. Donc juste ici, vous allez rentrer dans la cabine ici et il sera sur le meuble juste là. Donc vous appuyez sur carré. Donc juste avant, dans la chaufferie, il fallait s'allonger pour récupérer Mars. Hein, j'ai oublié de vous le dire, mais il faut s'allonger pour récupérer Mars. Donc ça c'est Saturne, vous récupérez ça. Saturne, et maintenant vous reprenez un petit raccourci qui est juste un peu plus loin pour aller chercher Jupiter. Donc là vous prenez le raccourci, non pas celui-là. C'est un peu plus loin je crois. Comme ça, ça vous fait gagner, on va dire, quelques secondes, quoi, parce que vous n'êtes pas obligé d'y aller à pied. Donc là, vous allez vous TP juste devant la statue d'Odin, et regardez, je crois que c'est, voilà, c'est Saturne, elle est juste là. Non, c'est Jupiter, excusez-moi, Jupiter, c'est juste là. Ensuite, nous allons aller chercher la planète inconnue, que moi, j'appelle Neptune. Donc, je sais pas pourquoi il l'appelle la planète inconnue, moi, je trouve qu'elle ressemble à Neptune, donc voilà. Alors, je me suis trompé de chemin. Pour aller chercher la planète de Neptune, vous allez reprendre le petit raccourci qui est juste derrière Odin. Et vous allez voir, ça va être assez rapide aussi. Donc hop, elle se trouve sur le pont arrière dans une petite bouée. Donc là, c'est un peu plus long le trajet parce qu'il n'y a pas d'autres raccourcis plus rapides. Vous allez devoir marcher un petit peu, descendre ici, remonter là et regarder, c'est juste ici. Donc ça, c'est Neptune. Voilà ça. Neptune, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Neptune. Donc maintenant, on va aller chercher Uranus. Uranus qui est dans le spawn, donc dans les près des cabines de spawn. C'est ça, vous pouvez le repérer avec le carrelage. Le carrelage, c'est une sorte d'échec en noir et blanc, donc une sorte de damier, voilà, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc il y a un petit raccourci ici, vous descendez sur le C, donc voilà, non, au niveau B, je crois que c'est. Vous prenez le petit raccourci ici, et regardez, c'est dans la salle de bain qui est juste ici.
et ce sera derrière la plante. Quand vous avez récupéré tous les 9 symboles, vous pouvez regarder dans le ciel à chaque symbole que vous allez récupérer, il y aura une planète qui va s'afficher. Donc si vous voulez, vous pouvez carrément changer le filtre dans options pour les voir plus clairs, plus nets. Vous mettez dans filtre de contenu mode dessin animé pour zombies, vous mettez avec et vous verrez un petit peu mieux les planètes. Quand vous avez récupéré les 9 symboles, vous allez devoir aller dans le devant du bateau, dans la cale, au bout du bateau, donc à gauche, il y aura une boîte. Il va falloir évacuer l'eau pour que la boîte se casse. Quand vous évacuez l'eau, la boîte se cassera et il y aura une représentation du système solaire. Vous allez devoir appuyer sur carré sur ce système solaire pour que les planètes s'illuminent une après l'autre. Il va falloir retenir cet ordre. Donc soit vous marquez l'ordre sur un papier ou soit vous enregistrez carrément la vidéo pour la revisionner quand vous voulez. Ou alors vous faites des allers-retours parce que vous pouvez réactionner le mécanisme qui représente le système solaire. Quand vous êtes sûr de savoir tirer sur quelle planète, vous allez devoir prendre une arme et tirer sur la planète dans l'ordre qu'elles se sont allumées. Donc la première, la deuxième, on va dire que la première c'est Mars, puis après c'est Uranus, puis après c'est Jupiter, et puis etc etc. Le dernier ce sera toujours le Soleil. Quand vous allez tirer sur une planète, la planète va exploser, vous êtes vraiment un monstre, vous détruisez la planète comme ça, vous imaginez même pas qu'est-ce que vous venez de faire là. Non, je rigole, je déconne, c'était pour rire. Quand vous allez tirer sur une planète, la planète va exploser, ça c'est vrai. Ensuite, il y aura une orbe bleue qui va se diriger sur le bateau. Il va falloir la retrouver le plus vite possible. Vous avez une histoire de 30 secondes pour la récupérer. Si au bout de 30 secondes, vous ne l'avez pas récupérée, vous allez devoir passer la manche pour que les planètes réapparaissent. Parce qu'elles vont toutes disparaître. Si vous vous trompez de planète, vous tirez sur la mauvaise planète, c'est pareil. Elles vont toutes disparaître, il va falloir passer une manche. Alors vous allez me dire, oui mais comment tu fais pour savoir où est-ce qu'elle va atterrir? Comment tu fais pour voyager sur tout le bateau en 30 secondes? C'est pas possible. Ben si, c'est totalement possible parce que vous devez anticiper les choses. Je vous ai dit que chaque symbole qu'on récupérait correspondait à une planète. Donc quand vous allez tirer sur une planète, elle va se transformer en orbe bleue et l'orbe bleue va se diriger vers le symbole où vous avez tiré. Par exemple, si j'ai tiré sur Vénus, il va falloir aller dans la suite des millionnaires chercher l'orbe bleue. Parce que tout simplement, le symbole de Vénus se trouvait là. Par contre, il faut savoir que dès que l'orbe arrive près de la suite des millionnaires, il va y avoir un spawn de zombies. Il faut savoir aussi que pendant que vous faites cette étape, vous allez avoir des zombies qui ne vous donneront aucun point. Donc tous les zombies que vous allez tuer pour ces étapes-là vont venir en illimité, mais ne vous donneront pas de points. Donc faites très attention parce que vous allez avoir un très grand nombre de spawns de zombies. Ce que je vous conseille, c'est de vous équiper de la Kraken en feu ou en eau. Comme ça, vous allez pouvoir voyager et être tranquille contre les zombies. Je vous conseille aussi de le faire à deux. Si vous êtes deux, ce sera plus facile. Un tire sur la planète et l'autre va se positionner et dit quand il peut tirer sur la planète. Par contre, vous ne trompez pas de planète. Il y a 9 planètes au total. Il y en a 8 dans le ciel et il y en a une dans l'eau. Donc faites très attention. Celle de l'eau, elle apparaît pas tout le temps, mais elle est dans la mer. Faut regarder, ouvrez l'œil et s'il faut, bah, vous mettez le mode dessin animé pour les repérer toutes les 9. Il faut savoir aussi que Uranus est bien caché. Quand vous regardez l'arrière du bateau, vous regardez en haut à gauche, elle est souvent là. Elle est cachée dans les nuages, soyez très attentifs. Ensuite, ne vous trompez pas entre Vénus et Mars. C'est deux planètes qui se ressemblent, mais il y en a une qui est un peu plus grosse, c'est Vénus. Elle est rouge-orange et Mars, elle est plus petite et elle est plus éloignée et elle est rouge. Mercure, elle est mauve, c'est la plus petite et c'est la plus proche du Soleil. Donc essayez de bien vous repérer. Quand vous aurez récupéré les 8 premières orbes bleues de chaque planète, sachez que quand vous allez tirer sur le Soleil, vous serez obligé d'être à 4 à appuyer dans les 30 secondes qui suivent pour vous téléporter au boss. Donc avant de tirer sur le Soleil, préparez-vous et stuffez-vous avant de lancer le combat final. Parce qu'après vous allez être au boss final. Donc équipez-vous, achetez des singes, achetez tout ce qu'il faut. Améliorez toutes vos armes, faites le plein de munitions, passez une, deux ou trois manches s'il faut plus de points. Ne vous tracassez pas, le boss n'aura pas plus de vie parce que vous êtes dans des plus hautes manches. Mais c'est très important, le boss est très difficile sur la cinquième phase. Les quatre premières phases sont faciles, mais la cinquième phase est très difficile. Donc soyez suréquipés pour réussir ce boss final. Enfin bref, c'est la fin de la troisième partie et je vous ferai une quatrième et dernière partie à propos du boss fight dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, poto. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool au Mike et ciao, peace.